bah bon Dieu menti, mais bon Dieu pas bon menti. Même si tu as manqué servir mon Dieu, bon Dieu pas bon menti. Ça le dit à celle de l'affaire. Il dit comme ça, est-ce que tu as caché Abraham? Ça me va faire à Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu dit, je suis très pour me détruire Sodome. Non, figure Abraham là. Abraham, il y a une famille, il y a l'eau, il y a un petit level. Pour me dire ça, bon Dieu dit, comment je vais camper devant Abraham? Il y a un bon Dieu qui est arrivé. Parce que sous honte, c'est bon Dieu qui a honte. Que des gens servent mon Dieu. Bon Dieu dit, regardez, il est Sodome qui est tué quand même. Mais en condition, Sodome arrive, il faut le détruire. Parce que Sodome, c'était un bagage qui était mauvais, non? Sodome était une ville luxueuse qui était en pile gay la donne. Tu es en pile pédéras. Mais tu es en belle, tu es manger, tu es l'argent. Tu es bien manger, tu es l'argent. Mais tu n'as pas de bon Dieu. Amen. Vous avez tout ça possédé. Vous n'avez pas de bon Dieu. De vous pas de bon Dieu, ou foutu. La Bible a déclaré, amen. Il dit, que servira-t-il à un homme de posséder le monde entier? Et s'il perd son âme. Bon Dieu, bah nous, gardez le monde entier. L'homme prend le monde entier. Il prend tout gros chef qui est dans le monde entier. Prend toute possibilité qui est dans le monde entier. Prends tout l'argent qui est dans le monde entier. Prends tout millionnaire qui est dans le monde entier. Et bon Dieu, osez comparer, dit l'homme nous plus important parce que le monde entier. Il va dire parce aux machines. Il va dire parce aux petits cailles. Il dit l'homme nous plus important parce que le monde. Oh my God. Il dit l'homme nous plus important. Voilà pourquoi David connaît réalité ça. Au moment arrivé, David arrive au moment où il y a des problèmes qui ne veulent pas adorer mon Dieu. Il y a quel problème on a, même on va relever, même chanter, on va me chanter. C'est comme si mon Dieu va exister. Même dans le mettre un problème, yo. Mon Dieu là. Dans le mettre tempête là, bon Dieu là. Dans le mettre, regardez, les bateaux ont secoué. Jésus était là, oui. Bible, quand question posée, où était Dieu lors du déluge? Bon Dieu était sous ton lit. Matin, bindou, quel que soit ça qui a passé là, l'Éternel est sur son trône. L'Éternel est sur son trône. Même si tout le monde faillit, bon Dieu pas jamais failli. Même si tout le monde faiblit, bon Dieu pas jamais faibli. Même si tout le monde limité, bon Dieu pas jamais limité. La Bible parle dans 3 Jean verset 2. Il promet chrétien aux guérisons divines. La guérison divine est possible. Pour vivre en bonne santé, sauvage en malade, vous ne pouvez pas comprendre ça. Même si il y a une épidémie, c'est possible pour marcher dans une épidémie, dans une tuffée, ou pas bouler. C'est possible, même si on prend des mesures, même si on veille. Mais il y a des choses, c'est celle bon Dieu qui a fait. Alléluia. Et là, David vient réaliser ça. David dit, ah, regardez le passé dans l'autre. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent ce nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis mettez-la dans le critique de mes guérisons, le critique de mes protections. Parce que c'est lui, Alibati, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Est-ce que c'est la fièvre seulement? Toutes les maladies. Est-ce que c'est la fièvre seulement? Ah, toutes les maladies. Maladies incurables, toutes les maladies. Maladies docteur, pas avant, hein? Toutes les maladies. Maladies docteur, pas soigné, pas guéri, toutes les maladies. Le médecin soigne, c'est l'Éternel qui guérit. Nous besoin de docteur. Mais c'est bon Dieu qui guérit. Aïe, comment vous ça? C'est bon Dieu qui guérit. Amen. Amen. Il y a une épidémie. Il y a toute qualité de nous. C'est un virus. Alléluia. Il y a parlé de pandémie tout. Mais le Seigneur fait nos promesses de protéger nous. Le problème qu'a parlé actuellement, problème vaccin. Il y a parlé de pile connotation. Il y a dit vaccin, c'est le marque de la bête. Et dans Apocalypse chapitre 13, il parlait, marque de la bête là, c'est le chiffre d'homme. M'a dit ça, vaccin ça, c'est un signe avant-coureur. C'est un signe avant-coureur, mais c'est pourquoi la marque de la bête. C'est ça. Il faut que quelqu'un qui enseigne. Parce que pour la marque de la bête a commencé, bon Dieu fait nos promesses. Il faut l'église quitter ça. Tant que cet esprit dans l'église, il y a des bagages, Satan va faire. La maladie, c'est plan Satan. Lorsque bon Dieu crée l'homme, il crée l'homme bien. Et jusqu'à présent, oui, bon Dieu dit, il m'a pas agi. Jusqu'à présent, oui, bon Dieu protège les gens par lui.
Jusqu'à présent, oui, chanter a dit dans l'hôpital, bon Dieu guéri mon livre. Dans l'hôpital, bon Dieu, alléluia. Même dans la prison, bon Dieu mette mon livre dehors. Alléluia. Et quand on passe, ou pas la jambe sorti, bon Dieu mette dehors. Même monde qui méchant, même monde qui gang, non, il y a un moment à prier pour lever. Il y a un bon Dieu dit, même si tout le monde mourit, m'a quitté pour raconter gloire à moi. Ou qu'on aime faire grâce à qui je veux. Matin, bon Dieu, vous voulez, est-ce que vous ça? Chrétien, mais je crois dans la guérison. Et où est-ce qu'on y a là? Si vous êtes malade, c'est maintenant que vous devez commencer par planter la guérison de vie divine dans votre vie. Pas tant l'homme malade. Vous avez un l'homme malade pour aller prier. Non, 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 non. Vous avez une possibilité de la parole de Dieu pour planter la guérison divine dans la vie chaque jour. La guérison divine est plantée par la parole. Vous avez un verset qui dit toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déraciné. Oh my God. Tous les bons de famille te créent bien. Pas créer malade. C'est péché. C'est désobéissance. La Bible dit dans Romains 5, verset 12, comme par un seul homme. Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et que si la maladie, la mort, depuis péché est entré. Parce que péché signifie, alléluia, oh, rater le but. Non, péché ou rater le but. Ou rater plein de Dieu pour vous. Le péché qu'on n'y a pas dans le plan de Dieu encore, dans le plan de Satan, jusqu'à ce qu'on repente. Alléluia. Et le repenti qu'on a dit, Seigneur, je vais tourner vers le genou. I'm coming back. Je vais tourner dans cette adoration. Je vais adorer encore. Alléluia. David, il y a un moment, quand il y a un David, regardez, non. Quand il y a plein, c'est un homme qui a plein. Parce que l'homme commence à être trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme qui est conscience du monde, l'esprit qui est conscience de mon Dieu, mais l'homme n'a pas jamais satisfait. L'homme n'a pas satisfait. Voilà pourquoi ça me besoin de contrôler plus. C'est un homme non. C'est un homme non qui a une volonté pour vous. Vous voulez faire ce que vous voulez. Vous voulez. Regardez, non. Un homme a plaidé. En dedans, David a plaidé. Et puis, on voit qui parlait. David dit, non, pas normal, je plaidé. Bon Dieu, je suis trop bon. Bon Dieu, je suis trop grand. Et puis, il dit, mon âme, retourne à ton retour. Car l'Éternel t'a fait du bien. Côté mon Dieu fait bien là. Côté mon Dieu fait bien là. Oui. Mon âme, retourne à ton repos. Si ce n'est pas car l'Éternel t'a fait du bien. Quand tout le monde fait bien, levez-moi, dis mon Dieu merci. Dis alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Jean parlait, comment on a béni au monde. Jean t'a béni. Garus t'a béni, t'a béni aux disciples qui est Garus. Dans toi, Jean, verset 2. Et bien, dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Regardez nos bénédictions, l'argent. Regardez son bagage spirituel. Lié. Même les diables ont utilisé pour faire beaucoup de pour faire trop. Mais les bon Dieu béni. Il béni bien. Les bon Dieu béni. Pas de chagrin là-dedans. C'est pas je commence là. L'homme va regarder sous façon commencer. Il a veillé comme on a fini. Mais alléluia. Mon qui mettait en Jésus. Une confiance qui sans mesure. Yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré. Moko jamais gien moun ki prend décision pour servir mon Dieu, puis au sortir honte, puis au fini mal. Regardez, les ennemis en font plan. Bon Dieu kon ki j'en la preti ou là. Bon Dieu kon ki j'en la prince dans pays ça. Bon Dieu kon ki j'en la preti ou dans soyer. Et puis les rivières plus loin, il dit regardez si le forme de complot. Cela ne vient pas de moi. Esaïe 54. Bon Dieu pas moi faire complot non. Oh my God, bon Dieu pas la donne non. Gien bagay bon Dieu pas la donne. Ça va passer dans le pays, bon Dieu, pas la donne. Elle pas d'accord. Et s'il pas d'accord, il pas la donne. Il a changé ça. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Mais il dit, j'ai créé l'ouvrier qui fabrique l'âme. Et j'ai le pouvoir de le détruire tout. Même moi-même qui m'a la possibilité de faire des âmes, j'ai le pouvoir pour me détruire tout. Et c'est le bas, m'a dit, mon cap servi mieux. Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre ta famille. Toute âme forgée contre ton ministère. Mais c'est la parole, moi quoi, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole, ça me quoi. Bon Dieu, papa menti, Dieu n'est pas président pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Si bon Dieu dit la pression, la pression. Si bon Dieu dit la cachot, la cachot. Si bon Dieu dit la protégeau, la protégeau. David t'a réalisé là, il t'a réalisé tellement mon Dieu qui a pouvoir. Et puis il campait dans son même, il dit l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui ai-je crainte? Amen. Amen. Il dit, quand la méchance avance contre moi, vous dévorez ma chair. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui tombent.
qui chancelle et qui tombe. Vous pouvez parler par là, qui chancelle et qui tombe, parle. C'est Kounia, parle Kounia. Et parle bagarre, vous parlez, c'est Kounia, vous parlez. Ou prend des vents, qui chancelle et qui tombe. Et puis il dit, Siname. C'est le verbe contre moi. Amen. Si une guerre. Si une armée se campe contre moi, si une guerre. Paye à guerre, oui. Mais si une guerre. C'est le verbe contre moi. Mon cœur. Moi, si la parole m'a parlé, c'est ça pour me parler là. Comment t'as gonflé l'église, tout le bagage ça passe dans le pays là? Pas parler de guérison, pas parler de protection, ou pas dire que c'est bon Dieu là? Qui s'est passé à ta pied là? Ce qui met ça, vous voulez me prêcher pour vous là? Mon cœur n'aurait aucune crainte. Je demande des choses que je disais à Adam à l'éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler sa magnificence. Alléluia, pour admirer sa gloire. Mieux vaut un jour dans tes pavés. Que le sang de Jésus couvre machin nous. Il couvre nous. Même l'homme de masse, c'est le sang de Jésus. Parce que l'ange là, moi, passé. Mon Dieu, qu'on fasse, on vous le dit. Regardez, passez en l'air, mais puis quoi, touchez moi au nom de Jésus. Alléluia. Même quand vous n'êtes pas encore malade, souvent vous êtes tombé malade, commencez à planter guérison divine dans la vie. Comment planter guérison? Par la parole. Ou commence à parler, ou à dire, mes reins fonctionnent bien. Au nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou pas qu'à recevoir guérison, c'est la parole. C'est là la parole a entré, la foi a venu. Et vous commencez à parler parole, bon Dieu. Ou dit, alléluia, mes reins fonctionnent bien. Alléluia. Oh, alléluia. Tu plantes la guérison dans ta vie. Alléluia. Pour ne pas. Pour jamais tu ne sois tombé malade. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Mon sang fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Je déclare au nom de Jésus que mon corps fonctionne bien. Sous quel corps, en ce moment? Je suis guéri de la tête aux pieds. Je suis guéri. Mais quoi? Je suis guéri. Regardez-nous. Qui est surnaturel venu? Les tout le monde limité. Le surnaturel est venu quand tout le monde limité. Laisse tout le monde voir. Bon Dieu dit, moi, je vais agir. C'est pour ça, bon Dieu. Il agira dans les noirs. Les surnaturels, avait dit, ça, l'homme va faire. Ça, papa va faire. Ça, l'homme va faire un résultat. Mais bon Dieu, qu'a fait. D'après bon Dieu, avant. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait. Ézéchias. Il dit, Ézéchias était malade à la mort. Son maladie, qu'a voulu aller? Son maladie. Ou maladie, qu'a voulu Ézéchias aller? Dans Isaïe 38. Mais maladie, ça qu'a voulu aller, qu'a voulu mourir, c'est une maladie, il dit, surnaturel. Parce que là, Ézéchias a parlé, il dit, je sens le fil de ma vie à couper. Ézéchiel, Isaïe 38, verset 10, il dit, je sens le fil de la vie me couper. Est-ce qu'il y a un mango? On va le tomber dans le pied, il va prendre temps pour le mettre. Le fil de ma vie coupé, il dit, monsieur dit, il veut le cahier tout vert. Mais mon malade vient pour le cahier tout vert. Il dit, Seigneur, souviens-toi. On le serve ou bien. Bon, façon servir, bon Dieu, doué. Bon, façon servir, bon Dieu, qu'a prié. Bon, façon servir, bon Dieu, qu'a dit, mais qui je voulais mourir. Oh, c'est quoi ça, lui? Oui, David mourit dans blanche vieillesse. Dans blanche vieillesse, il mourit. Parce que de vous commencer, regardez. Qui est-ce qui a détruit? Vieillesse qui a détruit. La paix, mon Dieu, vieillesse qui a détruit. La Bible a dit, qui est-ce qui a détruit? C'est quoi qui a détruit? Maintenant, alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 11, qui ça le dit? Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans tes morts habite en toi, il est dans la vie à notre corps mortel. Corps mortel, ça oui? Il y a une possibilité pour le gars là. La vie. Madame, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Et bon Dieu, il va souffler. C'est prêt, le prêt au lit.
S'il veut prendre, il même si je me dis, mettre sac à jour, s'il ne veut pas mourir, il a pas mon diabol. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi, j'étais malade. Pour parents, dis-moi mourir.